Voilà, bonsoir, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Oh là là, oh là là, voilà une autre soirée comme celle-ci. Merveilleuse soirée que Dieu nous a donnée. Rendons grâce à Dieu pour cela. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Une journée extraordinaire. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Qu'il vous accorde les désirs de vos cœurs, c'est en cette journée et en cette période de la vie. Voilà, bonsoir tout le monde. Connectons-nous massivement, que ce soit sur Facebook ou bien sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, dites-moi si le son il est bon. Alors, je voudrais savoir si le son est bon. Vous me le dites juste en commentaire. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore ce soir. Voilà. Ok. Père, merci pour ta grâce. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es bon. Père, merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée. Merci pour la soirée que tu nous accordes encore comme cadeau. Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons être conscients des choses qui nous concernent à partir de ton royaume. Je recommande tous mes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Pendant que nous parlerons, Seigneur, fais-nous grâce de découvrir les secrets de ton royaume et manifeste ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu es bon et vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer la prière ce soir, nous allons... Je voudrais partager un peu parce que mon cœur saigne. Mon cœur saigne, je vous assure. Mon cœur saigne fortement. Mon cœur saigne. Je voudrais partager ça avec vous ce soir. Mon cœur ne va pas bien, donc... Partageons la vidéo, s'il vous plaît, que ce soit sur TikTok ou bien sur Facebook. Partageons la vidéo au maximum. Partageons la vidéo au maximum. Et que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Que le Seigneur soit ta force, qu'il soit ta source de grâce et de bénédiction au nom souverain de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que la journée a été belle pour chacun d'entre vous. En tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Nous lui rendons grâce parce qu'il est souverain, il est bon. Et pour moi, je bénis Dieu, mes journées sont toujours hyper chargées. Elles sont surchargées, elles sont débordantes de responsabilités dans tous les cas. Mais le plus important, c'est de se retrouver comme nous le faisons chaque soir et de partager un peu, de partager la parole de Dieu et quelques révélations dans les Saintes Écritures. Avec les frères
dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa faveur soit sur vous, qu'il vous exauce, qu'il exauce vos prières, qu'il nous exauce en cette soirée. Que sa faveur soit sur nos vies dans le nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais parler un peu de... Déjà, il faut savoir que nous sommes en train de travailler durement pour l'Europe. Le tour de l'Europe est arrivé. Le tour de la France et de l'Europe globalement est arrivé. Je serai là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et pour la grande nuit des portes ouvertes, la nuit, la turbulence prophétique, la nuit des portes ouvertes qui se tiendra ce vendredi 8 mars à partir de 21 à 5 heures du matin. Je serai dans les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente, 44-500 Champigny-sur-Marne. Donc voilà, c'est les salons du Grand Paris. Tapez ça sur Internet, vous verrez la salle. C'est les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente, 44-500 Champigny-sur-Marne. Les salons du Grand Paris. On aura la nuit de prière vendredi à partir de 21h à 5h du matin. C'est la nuit des portes ouvertes. Hein? La nuit des ouvertures, des portes fermées. Donc, que ce soit dans ta famille, dans ta vie personnelle, viens expérimenter la grâce et la faveur de Jésus-Christ. Et après cela, nous allons travailler le samedi avec la conférence des partenaires. Donc, ce sera l'ouverture des portes financières et le thème. Donc, ce sera à partir de 16h dans la même salle à Champigny-sur-Marne au 94-500. Donc, Dieu manifestera sa grande gloire. Et apportez vos projets. On va prier pour cela. Je vais oindre les mains de tous nos partenaires, tous ceux qui sont une bénédiction pour notre ministère, qui disent, je veux être moi aussi un soutien et un tremplin pour le ministère de l'homme de Dieu. Donc, vous êtes nombreux à nous soutenir financièrement. Je vais dire merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous que l'œuvre du Seigneur est en train d'avancer, de se répandre dans plusieurs nations. En même temps, et quand vous le faites, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et puis, dimanche sera la grande clôture avec le culte des familles, toujours à Champigny-sur-Marne, 44-500, Champigny-sur-Marne, 8 rue Serpente. Donc, soyons là dans les salons du Grand Paris. Dimanche, à partir de 10h, c'est le culte familial. Viens consacrer ta famille à Dieu. Viens la recommander au Seigneur. Vous savez, la Bible dit... Heureuse la nation dont l'Éternel est le gouverneur. C'est important de mettre Dieu au centre de l'existence de votre famille. On ne le dira jamais assez. La foi que nous avons en Christ, c'est la seule chose qui demeurera après notre mort. Après la mort, tout va partir. Le mariage va s'arrêter. Les belles voitures vont s'arrêter. La maison, on va quitter. Tous les biens de la terre, nous les quitterons. La seule chose que chaque être humain emportera après sa mort, c'est Jésus-Christ. Dans cette histoire que vous voyez, tous les soirs, on vient, on prêche, on parle de la part du Seigneur. Parfois, on est fatigué, on se sent épuisé, mais on vient, on parle quand même. C'est par amour pour le royaume de Christ. C'est par amour, c'est parce que nous savons que nous mettons en vous une semence éternelle. Donc, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, le culte des familles, tu t'habilles en vêtements de fête, parce que Dieu nous introduira dans une nouvelle saison, dans tous les cas. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il y aura consécration des familles à l'Éternel. Nous présenterons avec nos offrandes de consécration familiale, ce qui est très important. Quand je serai à Paris, je vais donner une série d'enseignements sur les libéralités chrétiennes pour que les gens puissent comprendre le rôle qu'un chrétien peut jouer dans le ministère. Dans un ministère comme le nôtre, dans tous les cas. Être chrétien, ce n'est pas être un observateur indépendant. Il faut être un acteur, un acteur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous serons là-bas à Paris et Dieu va faire de grandes choses. Cette semaine, par la grâce de Dieu, je pourrai déjà être de ce côté là-bas. Que Dieu vous bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je voudrais revenir sur le thème que je vais développer le soir avant de commencer à prier avec les gens. Mon cœur saigne, il saigne abondamment, je vous assure, mon cœur saigne. Il saigne. J'étais avec un bien-aimé, un homme de Dieu, que j'aime beaucoup et que je respecte aussi beaucoup. Nous parlions ensemble. Dis-moi, est-ce que le son sur Facebook est propre? Est-ce qu'il est propre le son sur Facebook? Est-ce que le son est... Et donc, j'étais en train de causer et de partager avec ce bien-aimé, cet homme de Dieu,
Et puis je lui ai fait une remarque sur les trahisons qu'il y a dans la vie et surtout dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Vous savez, mes amis, il est difficile aujourd'hui d'avoir un ami. C'est très compliqué d'avoir un ami. C'est difficile. Avoir des vrais amis, avoir des relations pures, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Commençant même dans l'église. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je pensais que l'église était constituée des anges, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, la foi, l'amour, la confiance, ces choses-là régnaient naturellement. Mais je me suis rendu compte que, en réalité, l'église, c'est un lieu dangereux. Moi, je suis un homme de Dieu, je vous le dis, ça veut dire que c'est très sérieux, mes amis. Les trahisons aujourd'hui, elles sont énormes. Les trahisons venant des amis, les trahisons venant des parents, les trahisons venant des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, les trahisons. Et il faut comprendre que les plus grandes trahisons viendront des personnes que vous avez aussi aimées le plus. C'est ça la réalité en fait. Les trahisons, donc faites attention. La plupart parfois des gens que nous considérons comme nos amis, en réalité sont nos ennemis intimes. Le milieu des hommes de Dieu, il est pollué, il est gangréné. Parce que lorsqu'il y a la trahison, c'est qu'il y a eu la haine, il y a des jalousies, il y a des compétitions. Et j'étais en train de parler avec mon bien-aimé, et je lui disais que j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué une chose. Quand j'ai réfléchi profondément, Dieu lui-même a été trahi. Nous, la trahison n'est pas quelque chose qui soit nouvelle aujourd'hui. Dieu lui-même a été trahi. Il a été trahi, mes amis, au ciel. Il y a eu trahison. Il y a eu tentative de putsch. Il y a eu un putsch, même pas tentative. Il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a eu un coup d'État, mais qui a manqué. Le coup d'État n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que, en fait, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Dieu, il a tout fait pour maintenir son trône. Bon, maintenant, imaginez-vous que Dieu, le Créateur, lui-même, on a essayé de lui faire un coup d'État au ciel. Son fils bien-aimé, parce que lorsque vous regardez comment dans Ézéchiel, Satan est décrit, c'est un ange de lumière, c'est Lucifer. C'est un ange de lumière, mes amis. Malgré tout ce que Dieu lui a donné, la Bible dit que Dieu a donné à Satan ce qu'il n'a pas donné à aucun autre ange, à aucun autre archange. Mais le diable n'a pas trouvé cela suffisant. Il a voulu plus. Il a vu le trône de Dieu. C'est-à-dire que tu vas aider ton ami aujourd'hui. Tu amènes ton ami à la maison, tu l'aides. Tu vas l'héberger, tu vas la nourrir. Peut-être tu vas même la vêtir. Tu vas même la chausser avec tes propres chaussures. Et ton ami, au lieu de se contenter de cela, elle veut ton mari. Elle commence à calculer ton mari. Elle commence à réfléchir comment faire pour que ta penderie là lui appartienne. Comment faire pour que ta cuisine lui appartienne, pour que ton mari devienne son mari. C'est ça la vérité aujourd'hui. Donc lorsque vous êtes dans cette génération-ci, vous êtes une jeune femme, vous êtes mariée, vous prenez une amie à vous, une belle femme comme vous. Même si elle n'est pas belle comme vous. Et vous l'amenez à la maison chez vous. Vous la logez chez vous. Il y a un problème, vous n'avez pas compris la vie. On ne fait plus ça, mes amis. Même ta propre soeur, même mère, même père, pour l'amener dans ta maison où tu habites avec ton mari, il faut bien tourner la tête. Il faut réfléchir bien. Parce que sinon, un jour, c'est toi qui seras dehors. Ta soeur va dormir dans ton lit. Elle n'aura pas honte. Parce que nous sommes dans une génération où les gens n'ont plus d'égards. Ils n'ont plus de cœur. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de considération, il n'y a pas de loyauté. La loyauté est devenue compliquée. La loyauté, pour rien, on est prêt à vous faire du mal. Pour rien, en fait. Qu'est-ce que Dieu avait fait à Satan? Que du bien. Il avait juste fait du bien. Donc, il y a aussi des gens comme ça dans la vie. Peut-être que vous avez eu à expérimenter ça, vous n'avez pas peut-être encore expérimenté, mais ça va arriver. Parfois, les gens sur qui vous comptez le plus, en qui vous avez le plus investi, ceux que vous avez le plus aidé, béni, ce sont ceux-là même qui vont vous faire du mal, qui vont aller raconter des choses dehors, les enfants de votre propre maison. La Bible dit que celui qui a plongé la main avec moi dans le même bol, dans la même assiette, c'est lui qui a tourné son talon contre moi. Il y a tellement de trahisons. Donc, je disais à mon frère que, mais j'ai remarqué qu'au ciel, il y a eu une trahison.
des anges ont trahi Dieu parce qu'ils ont suivi Satan. Comment pouvaient-ils suivre Satan au détriment de Dieu? Donc si c'est arrivé à Dieu, c'est pas à toi que ça peut, ça ne va pas arriver. Là, il y a un sérieux problème. Ne te plains pas qu'on te trahit. Adapte-toi plutôt à la trahison. Personnellement, j'ai développé une maxime par rapport à la trahison. C'est ce que j'appelle la maxime du pain quotidien. C'est quoi la maxime du pain quotidien? Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il ne dit pas, donne-nous le pain de demain. Non, non, pas le pain de demain. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Arton Semeron, notre pain d'aujourd'hui. Il ne dit pas de demain. Il dit, parce que demain aura soin de lui-même. Il y a des ordres, il y a des ordonnances, il y a des instructions que Dieu a déjà données à demain. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Demain, Dieu s'en chargera. Voyez. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire attention. Ça ne laisse personne. Je ne peux pas... C'est-à-dire, s'il faut parler des trahisons que j'ai eues et que je continue d'avoir, j'en parlerai pendant des mois et des mois, on n'en finira pas. Il y a des gens qui viennent chez vous et regardent où vous habitez, et regardent le genre de vêtements que vous portez. Regarde, tu vois, parfois même parmi nos enfants, ceux qui sont venus à la maison, tu surprends le regard de quelqu'un sur toi. Tu sens que la personne est en train de dire cet énergumène, s'il a, il a même fait quoi pour arriver là? On peut même faire comment pour le déclasser? Pourquoi c'est pas à moi que ça arrive? C'est ça la vérité. Parfois, si Dieu te montre les pensées cachées des personnes que tu dis être tes amis intimes là, mais tu n'en reviendras pas en fait. Parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. La jalousie aujourd'hui. La jalousie, elle est détail. Nous, dans le monde ministériel, le monde des hommes de Dieu où nous sommes, ça, la jalousie, moi je suis habitué, je me frotte à la jalousie tous les jours. Ça dit pour rien. Quelqu'un va répandre des calomnies sur vous, dit que vous êtes un sorcier. Non, vraiment, votre onction vient des ténèbres, vos bénédictions viennent des ténèbres. Et les gens vont faire parfois même des directs sur Facebook nous concernant des gens qui ne nous connaissent pas en réalité. Et ils vont dire des saneries, des conneries, et puis ils vont dire des choses là, chauves, et qui vont plaire à ceux qui avaient des prédispositions. Des prédispositions sécessionnistes, des velléités sécessionnistes. C'est ça en fait. Quelqu'un va te parler mal d'une personne qu'il ne connaît pas. Parfois, dont il ne connaît même pas le quartier ni la maison. Il ne connaît pas la maison de la personne. Il ne peut même pas écrire le nom de la personne. Au mieux, il ne connaît même pas au mieux le nom complet de la personne. Mais quand il parle de la personne, tu sens la haine, tu sens la jalousie. Et donc, je me suis rendu compte qu'au ciel, il y a eu division, mes amis. Il y a eu division. C'est terrible. Il y a eu coup d'état là-bas au ciel. Et comme si cela ne suffisait pas, parmi les hommes, il y a des trahisons. Jésus-Christ a été trahi par Judas, qui était son homme de main, ça veut dire l'homme de confiance. Parce qu'il faut dire que c'est Jésus-Christ qui a donné à Judas son argent. Ça veut dire que Judas était le banquier de Jésus. Parce que tu ne peux pas donner ton argent à n'importe qui. Si vous voyez une personne confier ses finances, sa richesse à un homme ou à une femme, c'est qu'il lui fait confiance. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. Jésus lui faisait confiance. Mais ce Judas Iscariot, c'est lui qui a trahi le Seigneur Jésus. C'est ça en fait la triste réalité. Si Jésus avait déraciné Judas Iscariot, il n'aurait pas été vendu. Il y a des gens dont il faut se séparer très tôt. Parce que si tu laisses, on va t'enterrer, ces personnes vont contribuer à ta mort. Il y a des gens. Moi, je dis souvent que, supposons que tu as ta femme à la maison, et je veux parler aux hommes. Hein. J'ai vu un de mes fils, un jour, je demande, je vais chez un de ses frères, chez ses amis. Je trouve sa femme couchée dans le lit de son ami, et je l'appelle. Je lui demande, écoute, je vois ta femme chez ton ami là, elle fait quoi ici? J'ai demandé à la femme, tu fais quoi ici? Elle dit qu'elle se repose. J'appelle son mari, et dit, attends, ta femme se repose chez ton ami. Et j'étais une chambre. J'ai dit, mon frère, tu es malade dans ta tête ou quoi? Tu donnes l'os à un chien affamé? Non, mais il faut faire attention, mes amis, on ne fait pas ça. C'est dangereux. C'est très dangereux. Même les frères en Christ, là, tu ne laisses pas ton ami venir rendre visite, te rendre visite à ton insu à la maison, mon ami. Un ami qui te rend toujours visite, lorsque tu n'es pas là, quand ta femme est seule à la maison, je te dis la vérité, méfie-toi de lui. S'il a l'occasion, il va monter sur ta femme. Il en fera sa monture. Il ne pensera pas que non, c'est mon ami, c'est la femme de mon ami, etc. Non, il ne fera pas. Il va tirer profit de l'occasion, de l'opportunité qui se présente à lui. Non, mes amis,
Tu ne dois pas me rendre visite quand je ne suis pas là. Non, 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 tu me rends visite quand je suis là. Quand tu as un ami qui te rend visite, ah, il t'appelle, ah non, j'étais là, tu n'étais pas là, hein. Mais ça va, ta femme m'a bien accueilli et tout cela. Parfois, accueilli là, c'est dans ta chambre à coucher. Il faut faire attention. Trop de trahison aujourd'hui. Donc, Dieu a subi la trahison. Et Jésus-Christ sur la terre, étant Dieu, sous une forme humaine au milieu de nous, lui aussi a subi encore la trahison. Donc, il y a la trahison parmi les hommes. Il y a même la trahison parmi les animaux. C'est prouvé, en fait. Il y a la trahison parmi les animaux. Mais, il y a un endroit où j'ai cherché la trahison, je n'ai pas vu. C'est le royaume de Satan. Le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, je n'ai pas vu de trahison. Je n'ai jamais lu dans la Bible qu'un démon a été déloyal à Satan, ou bien qu'une cohorte de démons se sont soulevés contre le diable pour le renverser. On n'a jamais entendu parler de cela. Au contraire, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va parler, il va parler de Satan, il dit quoi? Il dit « Tout royaume divisé ne peut subsister. » Et dit, si Satan était divisé contre Satan, son royaume ne subsisterait pas. Et il demande, comment Satan peut-il être divisé contre lui-même? Il dit, c'est pas possible. Donc, Jésus témoigne là de l'unité dans le royaume de Satan. C'est-à-dire que celui qu'on appelle Shaitan, parce que Shaitan en hébreu signifie l'accusateur des élus, celui qui accuse, celui qui divise. Ouais. Bon, mais, vous imaginez que celui qui divise, lui-même n'est pas divisé. Parce qu'il connaît ce que c'est. Il connaît l'impact qu'il y a dans la division. Quand il y a division quelque part, il ne peut pas avoir de subsistance. Ce n'est pas possible. Rien ne peut régner. Voilà pourquoi vous devez faire attention à votre entourage. Méfiez-vous de qui vous admettez dans votre vie. Il y a des relations qui ne valent pas la peine. Il y a des relations qui ne valent pas la peine de commencer. Parce que vous savez, les gens sont parfois détruits. Tu vois la vie d'une personne, c'est une épave. C'est à cause de ce que la personne a admis dans sa vie des mauvaises gens. Il y a des relations empoisonnées. Il y a des personnes, des hommes ou des femmes. C'est-à-dire que tu regardes en arrière tout le mal qui t'a été fait depuis le jour où tu as rencontré cette personne. Tu maudis le jour où tu as connu cette personne. Moi, j'ai déjà eu des personnes que j'ai maudit le jour où j'ai connu cette personne. J'ai maudit le jour où j'ai laissé cette personne entrer dans ma vie. J'ai maudit le jour où je me suis demandé ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Pourquoi j'ai manqué autant d'intelligence? Pourquoi j'ai manqué autant de vigilance pour laisser cette personne entrer dans ma vie, jusqu'à même mon intimité, entrer dans ma maison, avoir certains avantages? Pourtant, c'était un traître. C'était un traître. Que Dieu nous épargne de ce genre de relation au nom souverain de Jésus. Que Dieu te donne de bons amis. Ta vie, mon ami, la Bible dit, protège ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Toute personne intelligente protège son cœur. Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'amis, c'est-à-dire que je peux compter une, deux, trois, quatre personnes peut-être, que je peux dire ça, c'est mes amis. Je n'ai pas une multitude d'amis, et puis je ne me promène pas. Je ne me promène pas, je passe mes journées à la maison. Si je sors, c'est pour aller faire une mission. Si je sors, je vais à l'église. Si je sors, peut-être je vais en mission. Si je sors, c'est pour faire quelque chose de précis. Non, mais me voir que je veux monter, descendre, je ne le fais pas, mes amis, parce que j'ai appris de la vie. On ne se laisse pas mordre deux fois. Tu te laisses mordre deux fois par la même situation, c'est que tu es bête, tu manques d'intelligence, de sagesse. Quand vous avez trop d'amis, vous aurez aussi trop de problèmes. Tu veux la paix, vie cachée. Tu veux la paix, vie en secret. Tu veux la paix, vie ta vie tranquillement. Sois tranquille. Tu n'es pas là pour imiter une personne. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu n'es pas là pour te mesurer avec qui que ce soit. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Tu vas mourir avec quelqu'un. Donc, fais des compétitions par rapport à toi-même, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Il est important que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois en haut et non en bas. Que tu sois toujours premier et non dernier. Et donc, tu travailles par rapport à cela sans envier une personne. Sans compétir avec qui que ce soit. Parce qu'en fait, tu es un échantillon original. Et tu dois croire cette originalité. Tu dois répéter ça tous les matins. Je suis original. Je suis né pour réussir. Je veux réussir. Je ferai attention à qui entre dans ma vie. Il y a beaucoup de femmes dont la vie a été détruite aujourd'hui à cause de déceptions sentimentales. Il y a beaucoup d'hommes. Leurs vies sont détruites à cause de déceptions sentimentales. Il y a des gens qui sont détruits à cause des amitiés.
tu as amené un faux ami. Je me souviens d'un homme de Dieu qui a confié son église à son ami. Il confie son église à son ami. Et donc, il est parti dans son pays, c'était en Centrafrique, il est même mort, malheureusement. Il est retourné dans son pays, non, c'était au Congo, en RDC. Non, Congo-Brazzaville. Il retourne au Congo-Brazzaville et il fait peut-être un mois là-bas. Il dit à son ami, tiens l'église, s'il te plaît, mon absence. Oh, garata wa inareta wa annas mali filos men evos in krasen. Et lorsqu'il va revenir, il vient le dimanche, il arrive à l'église, il n'y a personne. L'église est vide. L'église est vide. Il n'y a personne qui vient au culte. Il est juste avec sa femme et leurs enfants. Et ce sont les voisins. Il est étonné. Il sort. Il se tient à la véranda. Et il entend des louanges un peu lointaines. Et les gens viennent lui dire, mais attendez, vous faites quoi ici? Il dit, mais j'ai culte ici, c'est mon église. Et les gens lui disent que non. Ton ami là, il a délocalisé l'église. Il a changé juste le nom. Ce sont les mêmes brebis, mais il a juste changé le nom de l'église. Voilà comment son ministère est tombé. Son ministère est tombé, mes amis. Son ami, en qui il a fait confiance, il lui a dit, ok, prends soin de mon église, prends soin du troupeau, que le Seigneur m'a échoué en partage. L'homme-là n'a pas craint Dieu. Il n'a pas craint Dieu. Les hommes de Dieu, le milieu des hommes de Dieu est dangereux. Quand je vais quelque part, quand on m'invite, je vais avec mon micro. Je vais avec mon nom. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est juste la prudence. On ne sait jamais, mes amis. On ne sait jamais. J'ai vu un homme de Dieu en République sud-africaine qu'on appelait Odjo, qui a été invité par son ami. Il arrive, on lui sert le thé. On a mis le poison dedans. Il est mort sans avoir prêché. Quand il a voulu prendre la parole, il s'est écroulé. Donc, parfois, on te hait pour rien. Les gens que tu ne connais pas, que tu ne connais pas, mon Dieu. La haine est un cancer. La haine est une gangrène. Les gens te haïssent pour rien. Quelqu'un dit du mal de toi, tu n'as jamais dit bonjour. Il ne te connaît pas. Il ne connaît pas le nom de ta mère, ni le nom de ton père. Mais il se donne pour mission de te détruire. Il se donne pour mission qu'il ne se reposera pas tant que toi là, tu n'es pas à terre. Mais heureusement, la Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure. Avec ses paroles qui lui servent de soi, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. Vous savez, une fois, au début de mon ministère, en 2014, il y a une de mes filles nordistes qui était allée à Garoua. Elle est allée au nord et elle m'a ramené les clichés. Les clichés, je ne sais pas, il y a plusieurs nationalités qui me suivent. Les clichés, là, c'est de la viande qu'on fait en légère lamelle, comme ça, en feuille, légère feuille. Et on ne cuit pas ça au feu, on sèche ça au soleil, c'est le soleil qui fait cuire cela. Et puis on fait ça pimenté ou non pimenté. Et elle savait que j'aimais beaucoup ça. Elle est partie au nord et puis elle m'a ramené ça. J'étais venu rendre visite à une de mes mamans à l'époque. Elle aussi est retournée au Seigneur aujourd'hui. J'étais allé lui rendre visite. Et c'est là-bas que la jeune fille là, la jeune soeur m'a retrouvé. Elle m'a remis mon cliché. Et à cette époque-là, j'étais encore célibataire, j'étais célibataire et je n'avais pas choisi qui je devrais épouser. Et quand on avait annoncé que c'est la maman de Jemima que j'allais épouser, que c'était ma fiancée, ma future épouse, et donc cette sœur était parmi celles qui m'aimaient, parmi celles qui comptaient être mon épouse. Donc quand on a annoncé ça, elle est partie au nord donc. Elle m'a ramené le cliché. Quand elle m'a remis le cliché, je n'ai pas prié. J'ai mangé, c'était empoisonné. Elle a dit, ok, comme elle m'a manqué, tout le monde va me perdre. Elle m'a empoisonné, elle a fini avec moi. Donc vous imaginez que je suis allé rendre visite à quelqu'un. J'ai fait une semaine dans la maison, là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai fait une semaine chez cette maman. Mes amis, c'est comme si on découpait mes entrailles. On cisaillait mes intestins à l'époque, à l'intérieur. J'étais comme ça, la courbée. J'étais comme ça, courbé. Courbé. J'étais toujours courbé. 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 J'étais plié en deux pendant une semaine. Je ne pouvais pas me redresser comme ça. La douleur était insupportable, insoutenable. Pendant une semaine, j'agonisais, mes amis. Pour une sœur qui a dit que, ok, comme il ne m'a pas vu, il ne m'a pas épousé, je vais le tuer. Elle m'a empoisonné.
Elle m'a empoisonné, mes amis. C'est par grâce que j'ai subsisté jusqu'à aujourd'hui. Si je suis vivant, c'est par grâce. Dieu est intervenu à mon sujet. J'ai connu un homme de Dieu ici à Yaoundé, qu'on appelait le prophète Ekene. Il n'a même pas encore commencé le ministère, je vendais encore mes CD. Et je suis allé chez lui. On s'est entendu bien. On s'entendait super bien. Il était célibataire. Mais quand il a voulu se marier, il a choisi une sœur à l'église, dans son ministère, il a choisi une sœur. Et il y a une autre sœur qui l'aimait aussi, qui lui a apporté à manger, il a mangé, il est mort. Elle l'a empoisonné, elle a dit, comme c'est comme ça, on va perdre, je vous dis la vérité, le prophète Ken est mort. Je connais un autre homme de Dieu au sud-ouest, qui faisait aussi très fort, qui a aussi été empoisonné par une femme, par une sœur à l'église. Toujours ces histoires de mariage, voilà pourquoi les hommes de Dieu célibataires sont dans des problèmes. Il faut faire attention, les empoisonnements. Ce que les gens sont prêts à faire dans l'église. L'église, ce n'est pas tous ceux qui sont là, qui sont pour Christ et autres pour Dieu. Il y a des gens qui connaissent et savent pourquoi ils sont à l'église. Donc, il faut faire attention. Avant de prendre la chose d'une personne, un cadeau, il faut faire attention. Avant d'accepter la nourriture d'une personne, aujourd'hui, faites attention. Que Dieu nous garde. À l'époque, je me souviens, quand on a commencé le ministère, il y avait ce qu'on appelait la fête des pasteurs. J'avais un soirée, ce qu'on appelait la fête des pasteurs. Et j'ai arrêté ça, pourquoi? Parce qu'on a voulu m'empoisonner. Ah oui, on a voulu m'empoisonner. Toujours des satanistes sœurs, des Jézabels, des agents de Satan qui viennent dans les églises pour séduire les hommes de Dieu. Et quand ça ne marche pas, on cherche à les éliminer physiquement. Je connais un jeune homme de Dieu qui est mort ici comme ça dernièrement. Toujours empoisonnement d'une femme. On ne sait pas ce qu'il allait chercher dehors là-bas. Sa femme avait voyagé, on l'a trouvé mort, vomissant le sang devant sa porte. Il est rentré, il n'a pas pu ouvrir la porte. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Hein? Les jeunes sœurs sont venues me voir, l'une après l'autre. Elles sont arrivées dans mon bureau, je les ai reçues. L'une après l'autre. Bon, mais elles ne venaient pas ensemble, elles venaient comme si elles ne se connaissaient pas et tout. Et chacune d'elles me dit, oh non, vraiment j'ai fait une vision, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que c'est mon mari, ouais Seigneur, ouais, je t'ai dit que moi je ne veux pas épouser un autre, je me commence Seigneur, je me fais quoi qui, tu me cherches même quoi, tu me veux quoi Seigneur, ah il ne faut pas braquer les gens comme ça, moi je t'ai dit que je ne veux pas épouser un homme de Dieu, je parle avec un homme de Dieu Seigneur, hein? Elle fait comme ça devant moi, et après elle dit, bon, le Seigneur m'a dit que vous êtes mon mari. Et j'ai dit au Seigneur que non, vraiment, je ne veux pas un homme de Dieu. Je vais amener un homme de Dieu ou j'irai avec un homme de Dieu. Non, vraiment, je ne suis pas fait pour un homme de Dieu. Bon, mais Seigneur, comme c'est toi quand même, je ne veux pas résister aussi. Je dois me soumettre parce qu'en fait, il faut obéir aux instructions du Seigneur. Donc, Seigneur, comme tu as dit que c'est mon mari, ok, j'ai dit amen, on va faire comment? Je l'ai regardé comme ça. Et puis, elle a fait son numéro, elle est partie. La deuxième est arrivée. Elle dit, papa, j'ai fait un rêve. J'ai dit, ok, ma fille, vas-y. C'est quoi le rêve? Elle me dit, j'ai rêvé et dans le rêve, toi et moi, on était ensemble. On était dans une chambre. Et on était toi et moi dans la chambre. Et quelque chose s'est passé. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Elle dit, oh, papa, papa. Quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la chambre. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un ange est descendu dans la chambre? Elle dit non. Et papa, est-ce que je dois même vous dire ça? C'est mon secret avec le Seigneur. Hein? C'est mon secret avec le Saint-Esprit. Vous savez que le chambre du Saint-Esprit, là, on ne dit pas ça souvent comme ça, non? Papa, arrêtez seulement quelque chose s'est passé. Mais ce n'était pas mauvais, hein? C'était bien, papa. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ton papa, il faut me dire. Elle dit, papa, j'étais couché, vous étiez sur moi. Et on faisait l'amour. Et quand je me suis réveillé, je dis, qui est Seigneur? C'est quoi que tu me fais faire avec ton serviteur, ton oin comme ça? Oh Seigneur, vraiment, il n'aime pas le Seigneur. Il m'a dit, ma fille, c'est ton mari, je te l'ai donné. Pourquoi résistes-tu? Et elle dit, quand je me suis réveillé, elle dit, oh Seigneur, tu sais que moi-même, les choses des hommes de Dieu, là, je ne connais même pas, mais comme c'est toi, tu vas me former seulement. Et quand Dieu donne, est-ce qu'on refuse? Et elle me dit, papa, ça veut dire quoi? Comment on était en train de faire?
Je savais que tu me convoites, ma fille. Tu as une de se convoiter, tu as besoin de délivrance. Ouais. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut faire attention. C'est très dangereux. C'est dangereux, mes amis, c'est dangereux. C'est très dangereux. J'étais en train de causer hier avec le docteur Jindo Kamdem. On partageait un peu. Et il me dit, non, prophète Kane, il faut te marier. Marie-toi vite. Il faut te marier rapidement. Tu dois te marier. Il dit, ah, se marier, hein. Ok. Est-ce que c'est facile alors? Est-ce que se marier, c'est se lever juste et dire, oh, je me marie. Oh là là, désolé. Est-ce que se marier, c'est juste se lever et dire, oh oui, d'accord, je me marie, tout ça là. Non, c'est compliqué, mes amis. C'est très compliqué, le mariage. C'est difficile. C'est très, très, très compliqué. Hein? C'est très, très compliqué. Très compliqué. Le mariage, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est la guerre. Donc, voilà, bien-aimé, je vais ouvrir le standard comme ça. Je vais prendre quelques personnes, quelques sujets de prière ce soir. On va prier ensemble. Je vais vous en prier. Vous pouvez m'écrire sur Facebook, sur TikTok. J'ai la possibilité d'avoir les gens en direct et d'écouter leurs problèmes, de prier avec eux, leur donner des conseils prophétiques. Mais sur Facebook, je ne sais pas où on fait ça. C'est-à-dire où je peux avoir les gens, je les prends en direct, quelqu'un parle en direct. Je vais commencer sur TikTok et on va prier ensemble. Oh Seigneur, gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur. Glorifie ton nom. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, shalom à vous. Comment vous allez? Vous êtes dans quel pays? Frère Antoine. Ok, d'accord, frère Antoine. Vous êtes dans quel pays? Je suis en Belgique. Ok. Je suis ton frère d'origine camerounaise. Ah, ok, d'accord. Gloire à Dieu. Dis-moi alors, quelle est votre préoccupation ce soir? Si vous avez un sujet de prière ou besoin d'un conseil, une orientation prophétique? Ma préoccupation, bon, je suis serviteur aussi de Dieu. Oui, mais par révélation, que voilà, des révélations que je vois tout seul depuis ma naissance. Et puis voilà, donc j'ai ressenti ces appels de moi-même. C'est pas que on m'a dit qu'il faut aller servir Dieu. Et puis voilà, donc comme vous êtes, je vous suis beaucoup et j'apprécie votre travail. Voilà, moi, je n'ai pas de mauvais sentiments concernant votre courant, votre onction. Voilà, il y a pas de voilà. Il n'y a pas mon esprit ne vous rejette pas de toutes les façons, c'est pourquoi. D'abord, votre esprit va me rejeter, que je vous ai fait quoi? Non, parce qu'il y a des gens qui ont des démons qui vont rejeter là où il y a le bon esprit de Dieu. Oui, ça c'est clair, vous avez raison. D'accord, on vous écoute. J'ai le sens souvent aussi, tout ça. Donc, aussi, j'étais... ton dernier live, la dernière fois où un homme de Dieu avait un problème de masturbation. Oui, oui. Tu te rappelles, voilà. Bon, je voulais intervenir, mais malheureusement, tu étais en train de fermer, puis il y avait du monde, il se faisait tard. D'accord, vous vouliez intervenir par rapport au problème de... Oui, vous vouliez intervenir par rapport à ce problème. Oui, je voulais intervenir parce que j'ai quelques astuces et quelques conseils concernant ça, parce que tu sais, c'est l'un... L'un des démons les plus dangereux, des esprits les plus dangereux qui tourmentent les enfants de nos jours, tu sais. D'accord, allons-y, on vous écoute. Donc, et puis moi, on va aller rapidement parce qu'il y a plusieurs personnes. Pas de problème, parce que j'avais eu ce problème. J'étais dans cette emprise pendant 17 ans. Ah oui. Dieu m'a sauvé par là parce que je ne connaissais vraiment pas Dieu, mais... J'ai essayé plusieurs fois de me sauver. Voilà. Et puis Dieu m'a délivré un seul jour. Ok, d'accord. Alors, à lui, d'accord, le secret c'est quoi rapidement? Je n'ai pas compris. Le secret c'est quoi? Votre secret c'est quoi? En fait, le conseil que je veux apporter, parce que je sais qu'il y en a plein ici qui sont dans ce problème, qui sont là. Donc j'aimerais conseiller à mes frères et sœurs. Dans un premier temps, si vous voulez avoir la délivrance, tout commence par vous-même. Vous devez déjà
avoir cette volonté, c'est pas Dieu, c'est pas à Dieu de venir vers vous pour vous demander de vous délivrer de ça, c'est vous-même, parce que Dieu nous a donné ce discernement quand il nous a créé. D'accord. Nous a donné un esprit de discernement. D'accord, merci. À cause du temps, je pense que les gens ont compris, il faut des dispositions volanistiques. Donc il faut manifester de la volonté pour être libéré et sorti de cette histoire de masturbation. D'accord, que Dieu vous bénisse. On va prendre une autre personne ce soir. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. On vous appelle comment déjà? Moi, c'est Daniel, hein? Daniel Kilo. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Je suis à Luganda, capitale, à Kampala, ici, capitale de Luganda. D'accord. Quelle est votre préoccupation ce soir? Oui, papa, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi parce que. Donc, j'aimerais que vous puissiez prier, que je sois délivré. Donc, oui. Il y a des choses qui m'embrient tellement, papa. D'accord. Comme quoi? Bon, papa, j'aimerais comprendre que. Donc, je vais dire que l'esprit de la masturbation me dérange tellement, papa. D'accord. Vous aussi, vous connaissez la masturbation, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui, papa. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que vous masturbez? Donc, ça fait plus de 8 ans, papa. 8 ans, d'accord. Hier, je suis revenu un peu sur l'histoire de la masturbation et j'ai enseigné une règle qui est simple. Pour vaincre Satan de façon générale et dans le cadre de la masturbation aussi. C'est la loi de l'ignorance, vous voyez? La loi de l'ignorance. Vous devez comprendre une chose. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que celui qui a la foi, rien n'est lui impossible. Et lorsque Job a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends, papa. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le combat, les règles du combat spirituel, quand vous avez peur, lorsque vous en faites un problème de votre problème devient un problème. Mais si vous ignorez le problème devient votre marche-pied. Prenez un autre exemple avec l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus-Christ, il va demander à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi sur les eaux. Lorsque Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient rivés sur Christ. Mais à partir du moment où il a détourné le regard de Jésus pour les mettre sur les vagues, la Bible dit qu'immédiatement il a commencé à sombrer, à naufrager. Donc, mais quand il ignorait les vagues, le danger était là depuis. Mais il a ignoré les vagues. Comme il ignorait ça, les vagues n'ont pas pu l'atteindre. Donc, lorsque vous ignorez le diable, vous ignorez un problème, vous ne le considérez plus, il va mourir. Parce que ce qui nourrit le diable, c'est votre peur. Or, quand vous avez peur, c'est la foi que cette chose est plus forte que vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de façon pratique, lorsque la masturbation arrive, il arrive que vous avez, par exemple, moi, j'avais des couches de nuit. C'est-à-dire, moi, j'avais même les couches du jour. Moi, pour moi, ça a été même transformé en viol de jour et les viols de nuit. C'est-à-dire, pour moi, on me violait même dans les rêves. Ouais. Ça fait que quand j'avais les couches de nuit, le matin, quand je me réveillais, étant trempé, je pleurais, je demandais à Dieu, ouais, pourquoi encore ça? Oh, je jeûnais, je priais jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, si tu n'ignores pas Satan, Satan demeurera fort. Alors après, quand j'avais les couches de nuit, quand je me réveillais, je disais au nom de Jésus, mon corps, le temple du Saint-Esprit, il est pur. Et puis je foutais le camp à ça et je continuais à vaquer à mes prières. J'évitais d'être triste à cause de ça. J'évitais encore d'avoir des tourments dans mon esprit à cause de ça. Et quand ça arrivait, je disais, c'est annulé au nom souverain de Jésus-Christ. Et puis c'était passé. Je ne donnais plus de l'importance à ça. Je n'en faisais plus un problème. Et je ne peux pas vous dire quand c'est parti. Ça fait des années et des années que je n'ai plus jamais eu de couche de nuit ou de cauchemar dans la nuit ou cette histoire de masturbation. Donc, si vous mettez ça comme un problème, vous avez peur. Oh, j'ai la masturbation qui me dérange. Alors, automatiquement, vous n'en sortirez jamais. Donc, ignorez ça. Vous dites, je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Je suis déçu de cela au nom souverain de Jésus-Christ. C'est tout. Et vous passez à autre chose. La loi de l'ignorance, appliquez-la, vous verrez ce qui va se passer. Et l'Ouganda, comment va l'Ouganda? L'Ouganda va très bien, papa. L'Ouganda va très bien, papa. On parle quelle langue là-bas? On parle l'anglais. L'anglais est trop parlé ici. Et les Français aussi, on parle trop parce qu'il y a trop de Congolais qui sont ici.
Ah, parce que le Seigneur m'a dit que j'irai en Ouganda tôt ou tard. Donc, un jour, je viendrai visiter l'Ouganda. Donc, écrivez-moi en inbox. Je garderai contact avec vous pour le jour où j'irai visiter au moins l'Ouganda en mission de reconnaissance. Alors, que Dieu vous bénisse, Shalom. Merci, merci, papa. Merci à vous aussi. Oh, ça, c'est extraordinaire. L'Ouganda, c'est beau, ça. On va prendre une autre personne aujourd'hui. On va prendre qui? Ok, allons-y. Donc voilà, donnez tout simplement votre problème. On va prier ensemble dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Allô, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir. D'accord, dites-moi, comment vous allez? Ça va un peu, papa. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Gabon. Au Gabon, d'accord. Alors, dites-nous, quel est votre sujet de prière ou bien qu'est-ce que vous voulez ce soir? Bon, papa, moi j'ai besoin d'une prière sur le blocage financier. Ok, d'accord. La Bible dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra refermer. Je déclare au nom de Jésus, pas seulement dans votre vie, mais dans la vie de tous ceux qui sont connectés, qui souffrent de malédictions, des portes fermées. Au nom de Jésus, que les portes soient ouvertes maintenant dans vos vies. Je déclare la faveur et la grâce au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'attends votre témoignage. Merci, papa. Shalom du côté du Gabon. Nous sommes en train de nous battre pour arriver au Gabon là-bas, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Que sa grâce surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment donnée. On va prendre quelqu'un d'autre ce soir. Alors, on a quelqu'un en ligne ce soir. Vos sujets de prière par commentaire. Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Allô? 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 La personne n'est pas là. On a Amen au nom de Jésus. Ok, d'accord, Amen. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. On va prendre une autre personne. La personne n'a peut-être pas une bonne connexion. On va changer de personne. Pas une autre personne. Ok. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Père, merci pour l'ouverture des portes fermées. Allô, bonsoir. Bonsoir, prophète Tanine. Oui, comment vous allez? Très bien, et vous? Ah, ça va, ça va. Comme d'habitude, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère camerounais, je vous suis. Bon, avant que je ne monte en Amérique, je venais souvent à Réma, à Bankwaba. Ah! Je n'ai pas de sujet de prière. Je voulais juste vous dire que j'aime tout ce que vous faites. J'aime ce que le Seigneur fait au travers de vous. Oh là là! Oui, c'est ce que je tenais à vous dire. Et étant ici même un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec vous au téléphone. Ah. En plein culte. Ah, en plein culte. Hein? Donc, je rends grâce à Dieu. D'accord. Merci. Ça me va droit. Okay. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces mots d'encouragement. Et nous en avons besoin. Un jour, on se verra aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen, papa. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, parfois, les brebis ne se rendent même pas compte de combien de bien ça fait d'encourager son pasteur, de lui parler, de dire au nom vraiment, homme de Dieu, on est béni. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On va prendre une autre personne ce soir. C'est Blanche. Blanche, on va l'écouter. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, papa, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Allô? Oui, je vais super bien, papa. D'accord, vous appelez, vous êtes... Oui, allô, papa, je vous entends trop bien. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? J'appelle depuis l'Autriche. Depuis l'Autriche. Et mon sujet de prière, c'est concernant l'Autriche. D'accord, allez-y. Le sujet de prière. Oui, pour le voyage de ma fille, donc, on a déjà appliqué au niveau de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, donc... Mmh. J'aimerais que vous priez pour ce dossier, que cela aboutisse. D'accord, soyez tranquille, c'est quelque chose qui va marcher.
On n'a pas besoin de prier pour ça. J'ai vu ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci, papa. Oui, d'accord. Bonne soirée, mon frère. Bonne soirée. C'est aussi à ça que servent les prophètes, en fait. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous, hein, pour ne pas manquer les actualités. Abonnez-vous, je vous en prie. Abonnez-vous tout simplement. Et il y a l'indication de mon Facebook, le lien de mon Facebook sur ma page TikTok. N'allez pas dans Facebook avec le nom Ikane Ferdinand. Il y a des centaines de faux comptes en mon nom. Donc, cliquez sur le lien qui est sur mon Facebook, qui a près de 70 000 abonnés déjà. Appuyez simplement là, ça vous renverra directement dans ma page Facebook. Et abonnez-vous là-bas pour ne pas manquer nos réalités. Allô, bonsoir. Allô. La personne n'est pas là, on va prendre une autre personne qui est... Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Allô, papa, bonsoir. Oui, vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Oui, allô. Bonsoir, papa. Oui, vous êtes dans quel pays? Vous appelez de... Vous êtes en France. Est-ce que vous savez que je serai en France pour la nuit, la turbulence prophétique et des portes ouvertes, l'ouverture des portes fermées, le 8 mars? Vous le savez? Allô? Allô? Ok, d'accord. La personne n'est plus là, elle est partie. On va... On a sur Facebook, il y a des gens qui ont aussi. J'ai envoyé des invitations. Vous acceptez tout simplement. Vous acceptez l'invitation et puis on vous prend en direct dans tous les cas. On va continuer à prendre encore quelques personnes ici. On va prendre une autre personne. Donnez juste vos sujets de prière. Tu veux un conseil? Une prière, je crois que si nous prions, le Seigneur nous exauce immédiatement. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va bien, papa. Je suis tellement contente et soulagée. Ça fait des mois, des années que je cherche à vous joindre. Waouh, ça c'est extraordinaire. Papa, vous êtes dans quel pays? Pour le moment, je suis coincée en Égypte. Je suis en train d'aller en Croatie, mais ça ne marche pas. Vous êtes quoi? Attendez, vous êtes coincée en Égypte? En Égypte? En Croatie. Vous êtes où maintenant? Ça fait 7 mois que je suis en Égypte. J'attends le visa des douze de ceux pour la Croatie. D'accord, ok, d'accord. Dites-moi alors, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Mon sujet de prière, c'est... Mon sujet de prière, c'est mon voyage, ma santé et mes enfants. D'accord, on va prier. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, mon nom, je le ferai. Père, merci parce que tu ouvres une porte à cette femme. Seigneur, ouvre-lui une porte. Que ce ne soit pas une porte de tristesse, que ce ne soit pas une porte de remords, mais que ce soit une consolation au nom de Jésus. Que ce soit une consolation dans sa vie. Père, merci parce que tu feras d'elle la langue de sa famille. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis camerounaise, papa. Vous êtes camerounaise, hein? Vous êtes camerounaise. Je pleure pour vous. Vous comprenez? Vous avez voyagé. J'ai l'habitude de vous dire souvent que lorsque vous voyagez, ne pensez pas qu'en partant loin de votre patrie, alors automatiquement, vous allez réussir là-bas. Et que les fondations magnifiques de votre village ou de votre ville, pays d'origine, ne vont pas vous suivre là-bas. Lorsque vous voulez aller n'importe où, ou bien rester sur place, il faut vaincre les hôtels de votre famille. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Vous êtes quelqu'un de très bien. Quand j'étais en train de prier avec vous, j'ai vu un homme qu'on appelle Francis. Et ça, c'est un jeune homme que vous avez connu. Et le jeune homme, c'est un jeune homme qui, comment dire ça, qui a voulu faire de vous un peu comme, comment on appelle, son appartenance à lui, sa chose. Il a juré que vous, là, vous êtes à lui. Mais si vous partez où, vous ne serez jamais rien, vous ne serez personne, tant que vous ne revenez pas lui faire de courbettes, etc.
Donc ça, c'est ce que j'ai vu pendant que je Papa, priais je pour l'ai vous. connu au Koweït. Hein? Je l'ai connu quand j'étais au Koweït, Francis, là. Oui. François. Oui, François, oui. Oui. Est-ce que vous êtes encore en contact avec lui? Amicalement, de temps en temps, c'est dit bonjour, c'est tout. Faut faire attention. Ce n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas quelqu'un qui a de bonnes intentions pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je prie Oui, papa. que toute incantation contre vous soit anathème au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Attendez, je peux vous aider. Est-ce que je peux vous aider, madame? Oui, papa. Je peux vous Oui, aider. papa. Vous voyez, il y a des choses que vous avez faites, c'est le bien que vous avez fait, mais les gens ont pris ça en mal. Je pleure. Je pleure. Le voyage que vous avez fait, c'est beaucoup de gens sont contre vous. Il y a des gens qui sont en train de dire que vous allez rentrer. Il y a des gens qui disent que vous allez rentrer. Vous voyez, j'ai vu une femme que vous appelez, ou c'est Tata Philo. Tata Philo. Ça, c'est Philomène. Ou Oui, bien papa. Tata Philo. Oui, Ils papa. sont au Cameroun. Oui, La femme, si vous la considériez comme une soeur, comme une grande soeur, vous la preniez comme une amie, et comme une conseillère, bon, quelqu'un que vous avez aidé, vous l'avez aidé. papa. Vous l'avez aidé. Vous l'avez aidé. Vous l'avez même donné l'habit un jour. Vous lui avez donné un habit. Vous avez donné l'habit. Vérité, papa. Vous avez donné l'habit. Et votre habit, vous savez, madame, vous avez voyagé, mais vous avez laissé votre vie au Cameroun. Je vous dis la vérité en tant que prophète du Dieu vivant. Votre vie au Cameroun. Philola, l'habit que vous lui avez donné s'est retrouvé loin. Son habit là, votre habit. Cause de l'histoire de voyager, cette histoire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a fait du bien aux gens. Les choses que je vous révèle, c'est les choses qui se sont passées dans le secret que l'Esprit de Jésus-Christ est en train de révéler. Vous avez une amie à vous qui venait à la maison chez vous, qui dormait chez vous, qu'on appelait Nadège. Elle a mangé votre étoffe. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Elle dormait Oui, parfois chez vous. j'avais une amie là. Nadège. Une fois elle est venue chez vous, elle a mangé, elle a pris l'habit. Parce que ce qu'on lui avait demandé de faire, votre ami, elle a mangé, regarde, elle a mangé une étoffe de vous. Tout ça parce que vos amis voyaient que Dieu vous a béni et tout. Donc, ce que vous vivez là-bas, c'est des hôtels sataniques qui ont été bâtis contre vous. C'est des hôtels, en fait. Donc, je vous ai prié que cela soit détruit. Je prie pour tous mes enfants qui sont dans la diaspora, qui ont voyagé et qui n'en ont pas décousu avec les hôtels familiaux. Père, au nom puissant de Jésus, que ces hôtels soient brisés, que tout ce qui a été fait contre cette femme soit annulé au nom puissant et souverain de Jésus. Daru wa inaros men edai wa idias mantalita wa anaustoika barnota wa in adel wa anasmali olfli. Honorable Anna Sklaff, Anouta, Père, que la méchanceté de cette personne qu'elle a aidée retourne sur elle-même. Je la libère des liens Amen. maléfiques des hôtels chez les marabouts qui ont été faits contre sa vie. J'annule les paroles d'imprécation incantatoires qui ont été dites contre sa personne. Je proclame qu'elle est libre dans le nom puissant et souverain de Jésus. Et je proclame que tous ceux qui sauvent des hôtels maléfiques sont libres au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu es vivant au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, voici ce qui va se passer. Le Seigneur va susciter une aide de destinée là-bas, en Égypte. Il y a un monsieur, un jeune homme qu'on appelle Mohammadi, qui va venez vous aider. Oh, Jésus, merci. Vous me suivez? Oui, papa. Il y a un homme, c'est un arabe de là-bas, qu'on appelle Mohammadi, qui viendra
et Dieu va l'utiliser pour vous ouvrir des portes. Il va jeter le niveau et il va disparaître. Père, merci parce que tu nous as bénis au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Dieu m'a dit de vous dire ceci. Écoutez-moi bien. L'Esprit de Jésus-Christ m'a dit ceci. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Vous serez bénis et distingués parmi les enfants de votre mère. Vous serez distingués pour le bien que vous avez fait et surtout pour le bien que vous avez fait à votre amie qu'on appelle Sandra. 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 Je vous ai vu faire du bien à cette femme, cette jeune fille qui traversait un moment compliqué et vous l'avez accompagnée en conseil, financièrement, émotionnellement. Vous avez été avec Sandra, où tout le monde l'avait abandonné. Vous lui avez dit, moi, je demeurerai loyal à mon amitié avec toi. Et tu as vu cela. Et ça a été écrit dans le livre de souvenirs. Donc, il y a une aide de destinée qui vient vers vous. Et ça ne mettra pas l'homme. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Il faut savoir, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné à ma page TikTok, abonnez-vous. Regardez sur ma page TikTok, on est à 70 000 abonnés maintenant. Il y a le lien Facebook. Abonne-toi d'abord à ma page TikTok, s'il te plaît, pour ne pas manquer des prières sporadiques qui pourraient être faites comme ça pour tous mes abonnés. Et c'est aussi des avantages que ceux qui sont abonnés ont. Et donc, abonne-toi à ma page TikTok et puis regarde le lien de ma page Facebook sur l'intitulé de mon profil TikTok. Et appuie sur ça, ça va te renvoyer dans ma véritable page Facebook et tu t'abonnes aussi là-bas et Dieu te bénira. Et je voudrais dire à la France, à tous ceux qui sont en Europe, ne manquez sous aucun prétexte les salons du Grand Paris vendredi 8 mars pour la grande nuit de l'ouverture des portes fermées de 21 à 5 heures du matin dans les salons du Grand Paris 8 avenue Serpente, 94-500 Champigny-sur-Marne, 8 rue Serpente, 94-500 Champigny-sur-Marne. Donc nous serons là-bas pour la nuit de prière vendredi le 8 mars de 21 à l'aube. Et dans la même salle, le salon du Grand Paris, nous aurons le samedi à partir de 16h la conférence des ouvertures des portes financières. Vous avez des enfants qui font dans le football, vous avez des projets, vous voulez avoir une carrière, quel que soit le champ de prédilection. Dans tous les cas, vous êtes invité dans le salon du Grand Paris le samedi 9 mars à partir de 16h. Là, c'est une conférence pour les partenaires financiers du ministère. C'est plutôt ouvert à tout le monde. C'est pour ceux qui prennent l'engagement d'être une bénédiction pour l'œuvre que nous faisons. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous êtes très nombreux et j'ai hâte de vous retrouver. Je veux poindre les deux mains de tous ceux qui seront participants de cette conférence. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dimanche, le 10 mars, à partir de 10h, dans le même salle, c'est le culte des familles, mais ce sera sur briser, ouvrir les portes du mariage. Ouais. Le thème, ce sera ouvrir les portes du mariage. On va parler sur le mariage, on va parler sur la vie sentimentale, on va combattre le démon du célibat et Dieu doit te donner une maison stable. Selon ce qui est écrit, je te bâtirai une maison stable en Israël. Donc, connectons-nous nombreux demain, dès qu'il sera 21h sur TikTok ou sur Facebook. On aura nos deux directs demain et comme ça se fait, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. S'il te plaît, pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont des ennuis, tout simplement, écrivez-moi une box dans mon TikTok. Écrivez-moi sur ma page TikTok, il y a 70 000 abonnés, il y a des faux comptes TikTok en mon nom. Laissez vos sujets de prière, vos préoccupations sur TikTok. Et quand le Seigneur m'accordera la grâce, je vous répondrai dans tous les cas. Que Dieu vous bénisse et je prie pour cette nuit, Seigneur. Sanctifie cette nuit, bénis-la, que tes anges campent autour de nous. Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Seigneur, montre-nous des choses à finir cette nuit. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui se trouve, des couches de nuit, des repas de nuit, des cauchemars, des nuits chevaleresques et cauchemardesques, qu'ils soient libres dans le nom puissant de Jésus. Je déclare à tout le monde un sommeil reposant et réparateur. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Alors, shalom et bonne soirée à chacun.